Alors, pourquoi avoir choisi en fait ce répertoire et pas un autre? Il y a beaucoup beaucoup de raisons et pas forcément une précise. Mais disons que ces sonates-là vraiment sonnent très très bien au saxophone et l'instrument permet vraiment d'avoir des couleurs assez remarquables dans ce répertoire. Ensuite, je pense que voilà, c'est un peu aussi une histoire de famille. On avait envie depuis très longtemps de fixer quelque chose sur un support. Moi, personnellement, je trouve que si Brahms avait eu le temps, je suis absolument persuadée qu'il aurait écrit pour le saxophone. Je trouve que, bon, il y a des compositeurs tels que Rachmaninov qui se sont un petit peu aventurés comme ça pour le saxophone. Brahms, finalement, a pas vécu assez longtemps, si j'ose dire, dans le siècle, pour, voilà, pour produire un répertoire saxophone. Je suis contente de pouvoir faire connaître le saxophone, piano-saxophone. Je trouve que c'est un duo qui fonctionne très bien, particulièrement là, dans ces sonates. Ça fonctionne admirablement. Il y a des choses qu'on a du mal à obtenir, qu'il faut vraiment aller chercher, puiser dans les ressources de la clarinette, enfin s'inspirer en tout cas. Mais certaines choses, par contre, qui sont beaucoup plus simples au saxophone et qui sont beaucoup plus naturelles dans l'élan, dans la couleur, dans un certain nombre de paramètres qui sont assez évidents en fait pour le sax. Qui, je pense, nous permettent de dire que ces transcriptions sont pertinentes. Le saxophone a une tradition de vibrato. Brahms, apparemment, était tombé amoureux de la clarinette après avoir entendu un clarinettiste formidable de l'époque qui utilisait du vibrato, notamment, et ça l'avait séduit. Et c'est vrai qu'on entend souvent beaucoup d'esthétiques différentes au sax et à la clarinette, mais à la clarinette souvent sans vibrato. Et c'est vrai que moi je suis toujours un peu étonné de ces choix-là, c'est quand même une musique qui est extrêmement lyrique, qui est par moments extrêmement lyrique, extrêmement généreuse. Et c'est vrai que le vibrato est quand même un élément expressif essentiel. Je pense qu'on a un peu de mal à se passer pour cette musique-là. Il y a une chose quand même, c'est le timbre du saxophone. C'est tellement parlant, c'est tellement expressif, c'est tellement. Le sax baryton s'approche vraiment du violoncelle. L'alto s'approche de la voix. C'est vrai que le saxophone est un des instruments qui se rapproche le plus de la voix humaine au niveau du timbre. C'est vraiment dans cette musique-là, dans ces sonates-là, c'est Ben particulièrement c'est apprécié. tout à fait essentiel. On ne peut pas jouer cette musique sans penser à la voix, tout simplement. Les deux instruments qui se rapprocheraient le plus de la voix humaine seraient le violoncelle et le saxophone. Ça nous arrange bien. Voilà, le saxophone baryton ayant la même tessiture, hein, à peu de choses près, que le violoncelle, bon, ça facilite encore plus les choses pour la transcription. La transcription est vraiment très 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 facile dans le cas de la sonate pour violoncelle. Il n'y a vraiment rien à changer. Rien à changer, tout est jouable directement. Et je pense qu'au niveau des timbres, il y a assez de similitudes également. Thank you.
Alors, c'est pas une question de, non plus d'ajouter ou retrancher. Je pense que c'est tout simplement une autre version, une nouvelle lecture de ces sonates-là. Et on espère que ça plaira au public. Et je pense aussi que pour ce qui est de jouer de la musique, faut aussi laisser parler ses instincts. Et quand on a envie de jouer la musique de Brahms, et bien qu'on fasse du saxophone, de l'accordéon ou de la guimbarde, il ne faut pas hésiter, il faut profiter de cette musique.